Salut à tous, c'est Clem's Bonnard et Malcolm. Bien sûr, t'as oublié, mais d'habitude tu dis Malcolm bien sûr là, ça m'a perturbé tu J'en vois. ai rien à foutre, j'ai envie de dire ce que je veux. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Injustice God Among Us. Gods Among Us. Je pars super bien anglais, mais putain tu vas me corriger à chaque fois. Ouais. Donc cette vidéo nous a été beaucoup demandée et quand j'y repensais c'est notre troisième vidéo, enfin je sais plus si c'est la troisième, mais c'est une de nos premières vidéos et pourtant elle a fait pas mal de succès parce que c'est vrai quand j'ai re-regardé, elle était, elle c'était, c'est la troisième vidéo la plus populaire après nos deux 4 Mario. Voilà. Et Et pendant que pourtant tu parles, je vais juste simplement annoncer qu'on va faire aujourd'hui des Star Labs. voilà, exactement. Donc on va faire le Star Labs, voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est plein de missions. Des combats où on vous impose un personnage contre un autre personnage, des règles et des choses quoi. Bon, Clément auparavant a eu un petit aperçu, on voit bien. Voilà, Voilà. je joue un peu, mais ça, j'ai pas A fait accroché cette tant que pauvre ça. mission. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est des missions ultra hardcore des fois et des fois ultra simples Ça dépend. qu'on peut avoir une, deux ou trois étoiles. En remplissant des conditions Voilà. différentes, voilà. Une, c'est juste avoir la mission. Et Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé ça le Venom Joker. enfin bref, on s'en branle. Mais qu'est-ce que tu Donc fais? là, je perds ma vie petit à petit. Et D'accord. faut le battre. Ah bah ça, c'est pas mal. Bon, alors moi, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué. En fait, à vrai dire, depuis le dernier épisode, qui est sorti, je ne sais plus quand, hein, mais... C'est moi Superman, hein, entre... Waouh. Alors moi je vais éviter de jouer, moi sinon je vais être un pur massacre. Hein. Alors on voit le Joker, il est en train de se faire violer pour l'instant. Ah, quoique, hein. Hey, je pensais que tu l'éclatais, mais tu l'éclates. Bon voilà, là j'ai gagné une étoile parce Ah que... ouais, putain, moi il faut faire quoi pour avoir en fait les 3 étoiles? Bah attends, je vais te montrer. Remporter le match avec une projection normale. Gagner sans utiliser de compétences spéciales. Oh non, Donc voilà. chaud! Je vais essayer. Et c'est parti! Donc en gros, faut juste le taper mais pas faire tomber quoi. Voilà. Bah, t'essaies d'utiliser au maximum ton environnement. Et boum, coup de télé, t'as vu? Regarde, la statue derrière, elle en est tellement béat quoi qu'elle se casse la gueule. Au moment où je dis ça, on la voit plus la statue, mais c'est pas grave. Ah oui, ça c'était les spermatozoïdes de Mister Freeze, je me souviens. En fait, je parle tout seul parce que Malcolm est concentré pour Ah, l'instant, très mais. concentré, oui. Oh putain, mais comment. Oh, clavicule là. Ah putain, chaud! Ouais, je suis Ouais, mort tout chaud! seul. C'est chaud patate, hein. Ah ouais, non, mais J'ai grave! tenté. Et... Bon, c'est pas grave, Franchement, bon, j'ai c'est eu pas une grave, on va mission. passer à la mission, on va passer celle Regarde, il d'après. y a Strange derrière. Ouais, Il Strange, faisait j'adore. Superman. Oh, des petites Superman. fesses là. Je suis Encore Superman! Superman. Nous sommes des méchants. Tapons-nous. Tapons de la gueule! C'est quoi ça? What? Coup de boule, ma gueule! Coup de boule! Oh, la beigne! Ouais, allez, j'ai essayé de te mettre un coup de poing dans les couilles, mais j'ai oublié que t'en avais plus. Elles sont décomposées, Poum! là. Ah Mais ouais, ça, je putain! me souvenais plus de ça. Solomon Gold. Comment faire du... Alors, comment faire de la raquette avec Superman et Solomon Grundy? Vous utilisez une voiture. What? Mais je C'est le... quoi, ce truc? C'est quoi? Hein? Ok? Wow, En ok, fait, je l'ai tu l'as envoyé! envoyé s'envoler, Je tu l'ai vois. envoyé! Salut! Et puis là, tu t'occupes de Black Adams, je crois. Ouais. Ouais, en fait, là, tu utilises la technique, j'utilise le mitrailleur qui est derrière, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Très exactement. Ah, ils t'ont même pas enlevé ta première barre de vie, hein. En fait, je crois qu'on va se contenter de faire l'épisode avec seulement Malcolm qui joue, hein, parce que... Non, non, tu vas y passer, mon gars. parce que... Je sais pas, je le sens pas, je sais pas comment le dire. Allez, crève. Et l'autre, il attend bien que tu le balances, hein, quand même. Boum. Salut! Quoi? Mais c'est quoi ce mec? Doomsday? Salut! Doomsday? Le mec, Mais mec, c'est le décès, là. Ah, tu ne m'avais pas vu! Mais bon, j'arrive. Ah ouais, putain, il était chiant celui-là, je me souviens. Oh putain, mais Ah Doomsday. ouais, d'accord. Bah, tu utilises des rayons laser jusqu'à la fin de ta vie, hein, écoute. Tu veux faire de toute Je façon. pense, ouais, c'est ce que je... Ah non mais non là c'est sérieux. Oh.
Connard. Raté. Avec la patate que je lui ai mis en plus. C'est grave. Allez hop, tu vas sur le sol. Voilà. Et il attend bien que tu le frappes quoi. Regarde, il est en mode boum. Success. Et c'est le moment où tu le vois retomber derrière comme une merde. Bah il est retombé derrière comme une merde hein. Et en fait c'est le moment où tu vois que tu n'as qu'une étoile. Voilà. Bon, je fais la mission suivante, je pense que c'est la dernière avec Superman et après Clément va faire la mission avec Batman. Ouais. Et t'as intérêt à tous les faire avec Batman hein. Ouais. On veut tous te voir. Ouais. Donc là l'ennemi juré de Superman. Je suis motivé. Non en fait pas du tout. Excuse-toi, attends. Alors, oh non, toucher 10 fois pour anéantir sa source d'énergie. Oh là 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 là. C'est quoi sa source d'énergie? En fait, t'as juste à le frapper. À le frapper pour enlever son bouclier qui réapparaît à chaque fois que je le refrappe. Non. C'est quoi ce mec? Donc en gros, t'es dans la merde quoi. J'essaye la technique 7, petit coup de tapiole. Grave. Et boum. Et boum, tu danses à Macarena devant lui là, je sais pas ce que tu fais. Mais lui non, il fait rien du tout en plus. Allez, le petit coup de pied là, bien sympa, t'as vu. Oh non mec. Ok enculé. Je t'attire, tu dégages. Je te mets une boule. J'allais. Je te mets un coup d'armure, t'as vu. Mais en fait ton armure elle réapparaît pas. Je croyais. Bah voilà, bah tu crois. Parce qu'il y a mal, un Star Labs. What? Qu'est-ce qu'il a fait le gars Joe? Bah en fait il a balancé ses bras dans tous les sens. Il t'a explosé la gueule. Voilà. Bon je l'attaque de loin comme une pute. C'est pas Fourmiman là qui est derrière en train de... Ant-Man. Ant-Man voilà sur son ordinateur là. Non je crois que c'est Radioactive Man. Non je pense que c'est Ant-Man. Ouais. Je vais le faire ça toute la journée. Merde. Alors là je me suis fait défoncer. Là t'es dans la merde non? Dans la merde. Boum. Il va prendre toute mon énergie là. Oh putain. Wow, dur. Mec. Petit coup d'armure. Petit coup d'armure. Ah ouais, t'es plus puissant je crois. Oh, ça c'était magnifique. Et voilà. Ça c'était la technique du je t'envoie contre le mur et je t'explose la gueule. Bon, je vais gagner qu'une étoile pour l'instant parce que voilà, c'est déjà assez dur comme ça. Ah, waouh, j'ai débloqué de nouveaux éléments. Tous les cartes de Superman. Allez, tiens Clems. Amazing. Super. Et Clems prend le relais. Vous allez voir à quel point mon niveau est... Ah ouais. Ah putain, il y a le pouvantail, je l'adore. Bon, je vais pas l'affronter, mais... Si. Sérieux? Bah tu vas voir. Entraînement au combat, voilà. Ah oui. Je suis Nightwing. Je vais me bâton électrique dans le cul. Oh oui. I like it. Vous voyez à quel point je suis. Bon, on va passer fort. Les phases d'entraînement, je pense. Hein. Ouais, grave. C'est un peu chiant. Deux étoiles, bravo. Même si c'était que rien du tout. Juste des entraînements. Mission suivante. Je pensais que c'était même pas une mission, tu vois. Bah, si, c'est une mission quand même. Ouais, fais le malin, fais le malin. T'as eu des étoiles, mais fais le malin là. Là, on va voir. Ah, ouais, je suis content. Ouais. Non, vous voyez à quel point je suis fort. J'ai eu deux étoiles. Vous vous rendez. Oh, ouais. Ah mais non, il est derrière en fait. Ouais. Il sert à rien. C'est nul, je l'adore, franchement. Capture avant que la folie ne s'empare de Batman. Oh là là, on va se calmer ma belle là. Là, c'est tellement épique. Oh putain, trop fort quoi. Toi, t'as un don. Mais bon, c'est juste que l'écran tourne un peu, voilà, ouais, c'est grave, tout. Et qu'il y a une couleur différente. Par contre, tu perds de la vie plus rapidement quand t'es comme ça. Et merde. Et merde, je me suis trompé de combo. Allez, non mais sérieux. Oh ça, comment j'ai fait ça? Oh non, commande inversée. Sérieux. Mais putain. Mais va te faire reculer, salope. Mais putain, mais j'arrive pas à faire les trucs que je veux. Commande inversée. Merde. Mais putain, mais c'est pas possible. Elle me laisse pas le temps d'attaquer. C'est quoi cette voix de Batman là? Et boum! Et boum, puisque. Mais putain, mais elle me pète les steaks, c'est abusé! Mais putain! C'est pas possible, merde! Calme-toi! Calme-toi, mais putain, mais endormi! Sérieux, mais va te faire enculer, pétasse! Ça, c'est l'épouvantail qui te fait ça, hein, mais... Ah merde, grave!
Je sais même pas comment j'ai fait ça, tu vois. Mais putain! Fais les combos que t'as appris! Mais oui, je sais! Mais putain, mais c'est pas possible! Arrête, arrête! Mais allez! Mais allez! Fais ton super coup au pire! Voilà! Avec les étoiles autour de la tête! C'est tellement pas épique! Et boum! Et je vais. Et comment je vais la finir? Dépêche-toi avant qu'elle te tue elle! Mais grave, grave! Mais putain! Mais va pas enculer ça! BAM! Non. Non. Non mais sérieux? Elle va reprendre toute sa vie là. Mais non! Mais non! Putain mais non! Mais non, mais non quoi! Mais non! Oh putain! Oh putain! Alors si j'ai pas parlé, deux c'est parce que j'étais en mode méga concentré, mais... Case closed. Oh mais putain, c'est quoi ce truc? Non, c'est pas réessayer, mec. Ah non, mais jamais réessayer. J'essaye jamais. Ah, c'est de plus en plus dur, mec. Oh putain! Mec, tu vas voir quand t'arriveras... Ça m'a pété les steaks. Quand on arrivera vers Solomon Grundy ou Raven. Ah mais je pouvais rien faire. Solomon Grundy, voilà. Non mais quand on contrôle Solomon Grundy. Utilise des grenades zombies qui se trouvent autour de la Batcave. En fait, il faut que tu les prennes avec R1, tu sais. Ouais, j'ai compris. Là, il y en a par terre. Oh, tout ce que... Mais t'es sérieux, tout ce que ça lui enlève. C'est quoi cette merde? Je fais quoi, je me baisse là? Non, cours! Cours! Bah oui, faut pas qu'il cours me frappe. Pour ta cul! Pour ton cul! Cours! Cours, voilà! Ça te fait enculer! Voilà, c'est bon, t'as gagné. Les grenades! Merci. Bah justement, je voulais aller dans l'autre sens. Allez, grenade zombie et boum! Mais mec! Laisse-moi reculer! Mais toute la vie que ça lui enlève! Non, mais t'es pas sérieux! Oh l'enfoiré! Ah comment il en a évité une. Oh putain, j'adore, je balance un batarang dans les airs quoi. Et boum. Bon ça va. Ça va. C'était déjà facile mec. Ça va. Ouais. C'était facile. Ouais, ça. Heureusement que les bombes elles étaient puissantes. C'est quoi ces missions de ouf? Ah mais c'est tout le temps comme ça. Les développeurs. Tarte dans la poire ça s'appelait. Joker je parie. Empêche. Évite les tartes. Oh là là, mais c'est quoi ça? Faut que t'avances. Alors, faut éviter les tartes et les dentiers. T'as perdu. Non, sérieux? Oui. T'as pas le droit de t'en prendre. Mais attends, mais y a un dentier au sol. Y a une tarte dans les airs. Je fais comment? Tu te démerdes. Je crois que tu peux les frapper en plus. Mais mec. Quand tu te baisses, tu peux taper. Non mais bah. Non mais on peut rien faire sérieux. Je fais comment là? Hop, esquive de tarte. Oh l'enfoiré. Mais comme si une tarte allait buter la gueule quoi. Oh là là. Oh là là. Ça y est. C'était dur hein. J'ai capturé le Joker. Non, mais Batman là il passe pour une bite, sérieux. Non mais sérieux, tu pourrais. Comme s'il pouvait pas courir les attraper. Il peut pas utiliser sa tyrolienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, la tyrolienne est un objet... Killer Croc. Un gadget... Tu vas combattre. Ça suffit, Croc. Un gadget dans Batman Arkham City. Utilise les batarangs pour l'empêcher de s'enfuir. C'était quoi ça? Il y a un mec qui est arrivé vers toi, il a fait... Voilà. Et je suis mort. Essayez. En fait, t'as juste à balancer un putain de... Boum. Tu rentres chez toi. Vous allez pas me dire que c'est ça tout le niveau. C'est quoi la difficulté là? Ah bah voilà. Attention, Batman ne peut encaisser que 3 coups. Oh putain, non mais sérieux. C'est tout pourri pour homme. Mec. Bah voilà. N'importe quelle touche.
Élimine-le. Je suis le connard, tu vois. Batrang. Je suis Batman, je secoue ma cape. Ouais. Oh, contre Raven. Raven, c'était une salope. Raven, c'était une salope. Bah, en fait, il y en a des durs et des moins durs. Deathstrokeian. Il y a Deathstroke. Deathstroke, c'est en fait. C'est quoi ça, le tank? Coucou. Sort de la slide. Oh non, mais c'est tout pourri. Mais il fait quoi? Il secoue le. Faut taper le. Mais. Alors attends, j'étais loin du camion, maintenant je suis à côté. Il y a un putain d'immeuble qui s'écroule derrière. Oh. Parce que t'as balancé un lance une roquette sur un camion. Regarde comment il saute des styles. Coucou. Je suis un transporteur blindé. Je suis Batman, j'esquive des roquettes. Oh merde. Comment elle était lente celle-là? Non mais sérieux il là. Il fait des balles lentes et des balles rapides en fait. Mais voilà. Deathstroke qui doit être là, il doit se dire oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tranquillement en train de bouffer mes gaufres. Et le tank il bouge comme si c'était un putain de carton en fait. Tu fous des. T'as déjà vu un tank, tu lui fous des patates comme ça et. Quoi t'as tué Deathstroke? Ouais. Et voilà. Mais t'es sérieux, tu le tues comme ça? Ça c'est honteux par contre. Tu le tues comme ça, tu fous des beignes dans un camion, ça, il ça, explose et voilà. Ça c'est honteux. Tu tues Deathstroke. Je ne suis pas d'accord. C'est honteux. Bon, attention. Allez, c'est parti. Là, on augmente la difficulté d'un rang. Bon, même si elle te touche à peine. Pas du tout même. Ça. Bon, toi avec tes batterangs dans l'air. Mais je me trompe tout le temps, c'est un truc de dingue. Allez vas-y, défonce là, défonce lui les fesses. Oh putain, mais il met des coups de pied dans les couilles, c'est... Oh mais... Pas... Aucun honneur, sérieux. Et boum. Et boum. Et boum. Oh l'esquive. Oh, enfin je veux dire, oh le changement rapide, je voulais dire. Et boum. T'exploses la voiture, mais t'exploses avec. C'est tellement ça en fait. Ça c'est, je te montre mon téton qui crache du venin. Mais je me trompe tout le temps avec le batarang là, c'est dingue. Mec c'était tellement épique, le Joker il balançait un truc en l'air. Baisse-toi. Et... Non. T'as vu la Victa? C'est vrai. Ça a servi absolument à rien. Mais mec, que si il m'aurait pas, tu vois. Je vais essayer de t'exploser, je vais essayer de te balancer un... Ça te servait absolument hein. Je vais essayer de te balancer un... Super cool. Ah ouais c'est vrai. Pour le finir en beauté. Ça va pas le finir. Ouais c'est vrai. Et... Boum. Voilà faut que je fasse un truc classe. Du Batrang. Style ça. Ouais. Et voilà. Bon. Je secoue ma cape. T'es content en plus. Bah ouais, je suis content, attends. Je suis content, j'ai réussi des missions. C'est pas la dernière, j'espère. Peut-être. Si ça c'est la dernière, c'est un peu tout pourri. Hein. Bah un peu. Beaucoup. Ah non, il y a le chapeau en fou. Regarde le policier derrière. Qu'on fait. Oh non, c'est encore un truc tout pourri. Oh, Catwoman, Batman, trop rien. Non, mais sérieux. C'est quoi ça? Ok. Tout à fait. T'as déjà vu Catwoman avec un putain de lance-roquette? La cape absolument normale. Oh là, t'as échappé le bel. Oui. Voilà, normal. Dans sa tronche. Il y a trois trucs absolument pas normaux dans ce moment. C'est déjà, t'as un policier qui est derrière. Pourquoi il se barre pas? Mais grâce, c'est ce que j'allais dire. Ensuite, sauve ta vie, sauve tes couilles. Catwoman n'a jamais eu un putain de lance-roquette. Ouais. Ensuite, la cape de Batman, je sais qu'elle est spéciale, mais elle ne renvoie pas des roquettes. Les roquettes, je pense pas qu'elles repartent comme ça. Mais grave.
Et puis, truc, ça rebondit comme. Comme je sais pas quoi. Elle fait quoi ça? Elle se retourne là. Oulala. Là là. C'est quoi ce mec? Et puis déjà, il rebalance une roquette. Il ne tue jamais. Batman ne tue jamais. Il balance une roquette, une putain de roquette dans la gueule de Catwoman. Bon, allez. Les soldats en évitant les tirs de l'hélicoptère. Alors, j'ai fait le truc qu'il avait. Alors, la vie qu'il a par contre. Ta gueule, j'arrive pas à le battre déjà. Mec, si tu me bats pas, sérieux. Mais putain, mais je connais plus de combo moi. Mec, si tu le bats pas. Mais si, je vais te battre, je suis quoi. Allez, un peu de courage. Oh, oh, il a fait quoi mon grappin là? Oh. Mais putain, mais il se clone, c'est quoi ce truc? Je sais qu'il y en a un nouveau qui apparaît, mais c'est pas normal. C'est quoi ça? C'est quoi ce lance-roquette là? Mais Batman. Alors, les développeurs étaient fans de lance-roquette. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai jamais vu ça. Je pensais pas mais que c'était. J'ai jamais vu ça. Oh, déjà... Lex Luthor. Alors, comme ça, il s'incruste. Oh, mais j'étais dans l'hélicoptère. Excusez-moi. Excusez-moi. J'étais dans l'hélicoptère. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Bane. Animal nocturne, Bane. En fait, il vient arrêter Catwoman, il va aller tuer Lex Luthor, et après il retourne s'occuper de Bane dans le même endroit. Ah, là c'est un combat. Ah, c'est pas mal. Bon, même si on voit quand même, hein, mais bon. Bah, en fait, c'est quand il touche, tu vois plus beaucoup. Ouais, bah, je vais pas beaucoup voir, je crois. Hein. Mec, comment il te défonce ta race. Putain, mais j'essaye d'avoir la voiture en haut, mais j'arrive. Bah lui il l'a eu. Oh mais ouais mais grave comment il m'explose. Attends c'est Bane mon gars. Ouais mais c'est pour ça. Tu comprends. Bon attends là j'ai rattrapé quand même. Là ouais. Je l'ai bien rattrapé. Excuse-moi. C'est bien là, là tu viens un peu mon coup. Super coup. Bon ça va. Dans le noir. Super coup dans le noir. Grave. Mais comment il voit? Bah oui, je suis con, il a la vision nocturne. Mais... il a pas de mobile, elle traverse le mur là, elle fait comment? J'ai envie d'écraser. C'est quoi cette merde? J'ai envie d'écraser un hélicoptère par terre, alors je crase un hélico par terre. C'est ça. Je fais ce que je veux. Tu fais pas chier. Le coup qui servait à rien, je frappe dans le vide. Je suis fasciné. Pourquoi? Je sais pas, je parle pas beaucoup et je te regarde. Bah, c'est pas bien alors. Mais, tu sais que Bane est espagnol? Bah oui. Je savais pas toi? Si, je savais. Ouais. Et là, il a retrouvé sa vie comme un beau connard. Pourquoi? Parce qu'il. T'as pas suivi. Ah oui, bah. Ah, je croyais que tu me parlais de Bane qui parle espagnol et qui retrouve une vie normale. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais putain! Jack Walker. Mais qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas juste là. Non, non, non. Boum. Briser la chauve-souris. Mais non. Il t'a brisé. Calme-toi. Mais c'est pas possible un combo qui t'enlève autant de vie là. Calme-toi. C'est pas possible un combo qui t'enlève autant de calme-toi, vie. Calme-toi, t'as perdu, tu dois l'admettre. J'ai perdu, bah oui, j'ai perdu. Mais c'est quoi ce combo qui t'enlève alors, autant après de moi. Vie? J'ai perdu, je suis une bite. J'ai pas... Quoi? C'est reparti. Tape du pied, la lumière s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon personnage il a fait quoi là? Il a bugué. C'est le bug de ça, c'est le bug de ma manette. C'est que le joystick reste enfoncé en haut. Mais putain, à chaque fois j'envoie les trucs dans les airs, ça me. Mais putain! En plus tu vois que dalle. Non, oui, non mais grave. Alors là, j'ai réagi 2 ans après, c'est normal, c'est parce que je suis concentrate. Oui, moi non, aussi. Non, mais sérieux. Mais lui, en fait, il est concentré sur quelque chose qui... Mais putain, c'est quoi ce bâtard? Moi, je suis fasciné, je sais pas ce que j'ai là, d'un coup. Mais t'as vu? Pourquoi il fait ce coup, là, qui t'enlève autant de vie? Parce que c'est briser la chauve-souris. Putain, mais c'est pas possible, là.
Le bas de crapin votre... Mais putain. Mais c'est parce qu'en fait tu mets le joystick un peu en l'air quand tu fais le coup. Mais non. Si tu le mets un peu en haut. Puisque bah, le non le. Ça le... peut être que ça hein. Sinon, non ça... je sais ce que c'est. Regarde le combo c'est flèche. C'est bas droite, c'est bas arrière, et puis là en fait ça balance des batarangs. En l'occurrence je me fais exploser la gueule. Non, c'est arrière droite. Non. Mais mec, pourquoi t'as mis ton super coup? Ah merde, mais je croyais qu'il avait plus de vie moi. Mais mec. Bon là c'est le décès, on peut le dire. Absolument. Putain, pendant un instant j'ai eu de l'espoir. Non, moi j'ai pas eu d'espoir. Non, okay. Putain, mais touche l'hélico là. Pourquoi tu veux pas toucher l'hélico? Parce qu'il l'a fait à ta place. Oh, oh, oh. Alors là. T'as fait un truc sans faire exprès. Ouais, non, mais en fait je me suis planté de combo. Et, en fait, oui, ce que là, je dis fait... sans faire exprès. Ouais, bah voilà. Bah écoute, c'est bon, je suis content. Tu crois? Bah ouais, moi je suis fier de toi. Voilà, tu me fais un bisou? Non. Allez, la mode. Non, baisse-toi. Bon, ça va, il me reste de la vie, on va dire. Il fait toujours ça, c'est pas possible. T'as pas autre chose en stock, là? Bon, allez, j'utilise mon super coup spécial. Très bien. Des nuques. Avec des batteringues, des battes mobiles, des battes des battes taser, des battes fumigènes. C'est quoi, ça? Mais putain, mais c'est quoi, ça? Ça te défonce. Bah oui, j'avais bien remarqué, c'est pour ça que je me pose la question, tu vois. Bon. Oh. Bon, ça va, on est à égalité, je crois. Choc nul à chier. Et ouais, ma gueule. Très exactement, très précisément. Allez, un truc classe. Non, mais il cherche pas, là. Boum. Ouais, c'est bien. Non, voilà, je fais un combo simple, tu vois, parce que sinon, si j'essaye de faire un truc classe, bah je décède. Mettez en commentaire si Clem a progressé. Ouais, faut être pas beaucoup, mais bon. Il a progressé un peu, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, les enfants. Une chapardeuse. Oh là là. Oh là là, le secret est dans le... Le secret est dans le... Le secret de merde. Bon, allez, c'est parti avec Catwoman, et puis c'est on va Malcolm passer. Qui a le relais. On va passer les connards. Ouais. On va voir quel ennemi est en face de nous. Dans l'ombre. On s'en branle. Évite la lumière des projecteurs. Putain. Mais oh non, quoi, mais lumière des... C'est quoi ces niveaux, sérieux? C'est niveaux à Super Mario Bros. Il fait jour. Tu as été repéré, il fait jour. Petit vaisseau de merde. De lumière de merde, surtout. Bah oui. Mais non! Allez, voilà. Bah voilà, tu vois, maintenant défonce-le. Allez, tap. Ah, mais faut défoncer ça! Bah oui, faut défoncer ça. Mais tape! Arrête mais de sauter. C'est ton putain de joystick de merde! Pourquoi je te dis pas, pense à votre manette. Ça fait pitié par contre. C'est grave. Tout à fait logique et rationnel, j'ai envie de. Oula! Non, mais t'es sérieux? Miaou! Mais non, c'est quoi ce truc d'injustice? C'est quoi ce truc d'injustice? Tu fais des combos avec le chat? C'est quoi ce chat? Genre tu vas tabasser les gardes et tout? Non, je peux pas taper. Et c'est quoi ce chat ninja? What the? T'imagines ta garde et tu vois ça. Salut. Miaule bien pour montrer que t'es là. Mais t'es sérieux? Tu fais quoi? Tu passes les menottes au chat là? Tu passes les menottes au chat. Il y a un putain de chat et. Et toi tu l'arrêtes, tu sonnes l'alarme, normal. Mais sérieux, mais les développeurs quand ils ont conçu le Star Labs. Ils ont dû s'éclater hein. Bon, Michel, t'as une idée pour Catwoman? Bah, on laisse le joueur contrôler un chat, écoute. Mais t'es sérieux? Mais comment tu veux que j'esquive ça? Grave. On a vu ce que ça donnait le chat. Bon, on a passé, hein, c'est... Intruse, attrapez-la. J'en ai rien à foudre. Mais Catwoman... What?
coffre de merde, si tu... Mais what? Si tu one-shot les gardes en fait, ça se passe comment? Et tu... Mais t'empêches de te toucher. Mais tu t'en fous, tu les frappes. What? Mais il a des trucs de Lex Luthor et tout. Mais c'est quoi ce mec? What? Mais... La puissance des gardes. L'impuissance de toi. Bon, moi je vais rien dire, mais... C'est quoi ces mecs? C'est quoi ces... Mais c'est vrai, tu fous une baffe, le mec il disparaît. Oh bien, bien, oh bien. J'étais en train de me dire, putain, il joue bien, en fait, non, il utilise une technique de connard. Qui t'a gagné, écoute. Mais mec, comme s'il mettait une balle alors que t'étais accroupi. Non mais c'est lui qui est dessus, là. Non. Ah, j'ai eu peur là j'ai eu peur. Quand même, je me suis dit quand même, oh c'est quoi ce bordel? C'était nul à chier. Mais c'est de pire en pire en fait. Ah mais c'est dingue, mais c'est de plus en plus ridicule. Bah c'est sûr. Avec le chat. Le chat, il m'a tué le chat. Ça c'est le manière de Wayne. Frappe le coffre. C'est quoi ce niveau? Frappe le coffre. Alors voici ce que c'est une voleuse hein. Session 1, quand tu as un voleur, tu crochettes la serrure? Non, ça bat les couilles, tu frappes le coffre jusqu'à ce qu'il s'ouvre, voyons. Mais sérieux, c'est ça la mission? Tu as 30 secondes pour appuyer autant que tu veux sur la touche carré. Et c'est quoi ça? C'était ça la mission. C'est quoi? Regarde maintenant ce qu'elle fait. C'est quoi cette danse là? Ah. Ils ont confié les missions de Catwoman au département des pédophiles, là c'est pas possible. Voilà. Pourquoi des pédophiles? Oh non, celle-ci je la déteste. Je te la laisse. Pas si je perds, c'est à toi. Ok. Tu ne t'en tireras pas, tu as te mettras les bâtons dans les fesses. Tu vas te dégommer mon coffre. Ouais. Tu dois faire quoi en fait? Le battre. Bat Lightning, attaque de chat, coup de fouet ensemble. Alors, griffure. Ok. Oh, chaud. Il faut le faire sur lui. Vous avez compris, hein, ouais. Coup de fouet ascendant. Mais putain. Je te roule dessus, je laisse partir la moto. C'est quoi ce truc là? Je me mets en arrière, là. Attaque de chat, c'est quoi attaque de chat? Attaque de chat? C'est où? Ah c'est bien. C'est où qu'il faut ascendant? C'est en fait faut le mettre en l'air et faut faire bas haut. Ça, voilà. Regarde, je vais faire un truc super stylé. Attention les yeux. Oh ouais, chaud. Oh, ça va là. Piquer, là. Mais non, attends. Oh putain. Putain, non. Même si c'était pas ce que tu voulais faire. Si, c'était ce que je voulais faire. Non, ce que tu devais faire. Putain, mais je vais le foutre en l'air. Viens. Il fait quoi là? Il se caresse la main ou... Ah putain. Allez. Putain. Mais putain. Non mais là c'est... Voilà. Je boude. J'ai perdu, je boude. Mais c'est super dur. Tu veux que je fasse? Vas-y, essaye. Allez, à mon tour, c'est parti. Alors. Oh, t'as fait griffure déjà. Coup de fouet droit, c'est quoi? C'est... Et pour le ascendant, faut le foutre en l'air. Alors, quand tu le fous en l'air, c'est bas triangle. Et faut le battre aussi. Parce que si tu le bats pas, tu perds. Bah oui. Non, non, il a déjà enlevé tout ça? Oui. Mais comment il a fait? Attaque de ça. Joli. Attends, face. Je vais tenter. Parce que je pense savoir comment faire. Mais c'est pas possible en fait. Tant pis.
Mais c'est pas possible, tu peux pas le mettre dans les airs, sérieux. Si tu le mets dans les airs, t'as pas le temps de faire le combo. Vas-y, je réessaye. Mais il y a des fois, elle se met en arrière comme ça. Je me braque. Tu casses les... Mec, c'est déjà assez saoulant pour que tu casses les couilles en même temps. Il m'a fait quoi, là? J'étais à 2 km. Il t'a regardé. Ah, presque. Non. What? Mais non. Je te défonce de toute manière. Je rêve où elle perd du sang. Elle a saigné. Non mais t'es sérieux? Oh non. Mais comment il me tue? Mais là... Comment il m'a touché? Mais il utilise des coups invisibles. En fait lui, quand il frappe, il a le droit de te frapper 15 fois. Et toi t'as pas le droit. Toi tu fous quelques coups de griffe et voilà. Laisse-moi faire. Mais putain, combo de merde! Mais là il t'a encore envoyé une salve de codage. Mais non, là il m'a envoyé contre la fontaine en fait. Bah oui, mais après il t'a envoyé une salve de codage. Pendant que t'étais dans les airs, t'es mort. Ah bon. Non, j'allais le faire. Le petit instant café. Il y a un petit instant café là. Oui. Allez, coupe-moi ascendant. Allez, t'en fais pas, t'as de la vie, t'as du temps. Bon, t'as moins de vie, mais t'as encore du temps. Je vole ta moto. Salut. Tu n'as rien à foutre là. Non, tu as foutu des petits coups de pied comme ça, normal, t'as vu. Non, mais t'es pas sérieux, toi. La technique mais... du... Allez, là, tu le fais voler dans les airs. Mais oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, d'accord, je sais, mais bon... Qu'est-ce que tu veux, le fils de pute? Voilà, tu réessayeras un autre jour. Mais... Laisse-moi faire ça. Mais putain, mais il passe sa vie à genoux, là, c'est pas possible, c'est insoumis ou quoi? Oui. Bah voilà. Je suis fier de moi. Allez, vas-y, explose-le. Mec. Non. Non, 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 faut pas là, faut pas. Allez. Je le tue. Allez, 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 allez. Mais non, t'es pas sérieux. Oh. Oh. Je vais faire, tu te casses, tu te casses, ok. Tu dégages. Tu t'en vas. Ok, voilà. Oh, oh putain. Bon. Alors, on finit sur cette magnifique victoire. On va finir sur cette putain de difficile. Et mais je transpire comme un gros porc. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ah, non, mais ça dégouline sur mon lit, c'est dégueulasse. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour un deuxième épisode d'Injustice, j'espère que ça vous aura plu. Je l'ai déjà dit. Mettez un petit j'aime ou un petit commentaire pour nous transmettre vos sentiments. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook pour suivre vos nos actualités. Oui, si on suit vos actualités, ça va être un peu con. Exactement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Et en tout cas, nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Stake Game. Gros bisous. Gros bisous.